Au moins 29 personnes, dont 11 ressortissants étrangers, ont été tuées lors d'une attaque perpétrée dans un hôtel et un restaurant au Burkina Faso. Parmi les victimes, on compte 6 Canadiens, 2 Français, 2 Suisses ainsi qu'un Américain. L'attaque a été lancée vendredi soir quand un nombre encore inconnu d'assaillants armés se sont introduits dans l'hôtel Splendid, un lieu fréquenté par les étrangers et les fonctionnaires des Nations Unies. Il a fallu 12 heures aux troupes burkinabèses et aux forces spéciales françaises pour reprendre le contrôle de l'hôtel et du restaurant. Simon Compaoré, le ministre de l'Intérieur, a indiqué que 176 personnes avaient pu être secourues. Les corps de 3 très jeunes djihadistes ont pu être identifiés.